J'en ai marre. Au moment de l'hydroxychloroquine, il n'y avait aucune... Mais vous avez dit n'importe quoi sur l'hydroxychloroquine. Vous avez... Vous êtes une suffisance à D'abord, vous n'êtes pas professeur. Le truc ne marche donc, pas. Donc, cessez de donner des leçons à tout le monde. Je vais finir. D'abord, et après, vous m'interromprez. L'hydroxychloroquine ne marche pas. Mondialement, elle ne marche pas. Maintenant, on le sait. Seulement, à l'époque, sur la base de tests bidons, vous avez décrété l'hyperprescription de ce truc-là. Maintenant, il y a une campagne vaccinale mondiale avec des dizaines de labos qui bossent dessus, mais ça, c'est pas sérieux. Je trouve ce scepticisme modulé, selon l'opinion qui est la vôtre, ridicule. Voilà. Moi, je trouve que votre fanatisme est ridicule. C'est aucun fanatisme. On vaccine, on guérit. C'est pas du fanatisme, c'est de la science. Le fanatisme est déplacé en l'occurrence. Le fanatisme, c'est de dire une molécule sauve des vies quand on n'en sait rien. Personne, parce qu'on aime bien la tête de celui qui le raconte. Ne criez pas. Non, c'est insupportable. Il y en a marre, il y en a marre. Vous ne savez rien, vous n'êtes pas spécialiste, vous n'êtes pas un scientifique, vous n'êtes pas un professeur. Et je vous donne que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Je me permets de vous donner une leçon de modestie pour ceux qui y connaissent. Mais c'est pas de la modestie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Vous l'avez déjà dit, les fraises Tragada, très bien. Il se trouve que vous avez des gens qui vous trouvent ridicule, et moi je trouve que vous êtes ridicule quand vous affirmez de la sorte des choses qui sont contredites. Oui, je pense que le vaccin marche, l'hydroxychloroquine marche. Vous avez affirmé que ça marchait, ça marche pas. C'est oui, d'accord, vous êtes deux, donc vous avez sûrement raison. Malheureusement. Vous êtes deux contre un, vous avez raison. C'est les faits qui parlent. Oui, mais les faits, c'est pas la majorité qui parle, en effet. S'il vous plaît. Vous avez été vacciné ou pas? S'il vous plaît. Est-ce que je peux parler? Non, j'ai rien été vacciné, non. Pourquoi? À la rigueur. Mais c'est du terrorisme intellectuel. C'est du totalitarisme, dictateur fasciste. Attendez, vous avez été. Je vous pose une question. Je vous dis non, je viens de vous répondre, je n'ai pas été vacciné. Mais parce que j'attends de voir. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. J'ai mon libre arbitre et je préfère attendre effectivement de voir les effets à long terme de ces vaccins-là.